Et là, vous voyez la pluie de monstres qui s'éclate la tronche directement sur la plateforme de récolte. Et les deux petits wagonnets qui sont ici vont récolter tout ce loot et vont le placer directement dans le coffre qui est ci-dessous. Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto de Minecraft. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une ferme à mobs qui va vous produire une quantité assez incroyable de poudre à canon, mais aussi de fils d'araignée, de chair de zombie ou encore d'eau de squelette. Cette ferme à mob incroyablement immense a besoin de beaucoup de matériaux pour être construite. Voici la liste des 10 matériaux, n'hésitez pas à faire un screen pour vous en rappeler. Cette ferme est surtout désignée aux joueurs Java, donc si vous êtes sur Bedrock, cliquez plutôt sur le lien qui se trouve juste ici en haut de la vidéo. La première étape sera de vous trouver un biome océan. En effet, les biomes océans ont un avantage. Il y a moins de mobs qui vont spawner dans les grottes qui sont aux alentours, et donc vous risquez d'avoir un meilleur spawn rate au niveau de votre ferme à mobs. Afin de maximiser le spawn de mobs dans la ferme à mobs, et d'éviter que des monstres ne spawnent par exemple sur les petites îles comme ici derrière, eh bien on va placer la ferme à mobs à une hauteur assez conséquente. Étant donné que les mobs spawnent à environ 128 blocs au-dessus de vous, eh bien on va placer la ferme à mobs à plus de 100 blocs au-dessus du niveau de la mer. Comme le niveau de la mer est à 64 blocs, eh bien on va monter de 100 blocs de plus environ, et on va commencer à construire une plateforme vers environ la couche 170. Donc faites une haute tour d'échafaudage jusqu'à la couche 170. Pourquoi en échafaudage? Parce que l'échafaudage vous permettra de remonter dans la ferme à mob relativement facilement. Donc on est parti, on se fait une belle tour d'échafaudage d'environ une bonne centaine de blocs. Nous voici maintenant à la hauteur 170, on va se faire une petite plateforme où l'on pourra AFK. Pour la plateforme, utilisez un bloc quelconque, ici j'utilise de la pierre principalement, et je viens faire un petit carré d'environ 3 de largeur. Comme ceci. En général, je viens refermer cette petite plateforme d'AFK avec un peu de verre, comme ceci. Faites donc une couche de 2 de hauteur avec du verre, et laissez un petit espace quand même pour pouvoir sortir en y plaçant une petite porte, comme par exemple ceci. Il ne me reste plus qu'à recouvrir le haut de ma plateforme d'AFK. Je mets d'abord une petite couche de blocs pleins comme ceci, et afin d'éviter le spawn de mobs sur la plateforme d'AFK, eh bien je viens placer ici des demi-dalles qui vont venir empêcher le spawn. Maintenant que l'on a une plateforme d'AFK, il nous faut une plateforme qui va venir tuer les monstres via une chute. Pour ce faire, on va se placer ici au niveau de notre échafaudage et on va placer des blocs temporaires de sorte d'avoir 6 de distance par rapport à l'échafaudage. Donc on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je reprends d'ici et je remets 4 blocs. 1, 2, 3 et 4. Je fais pareil des 4 côtés. Vous avez donc ceci, 4 blocs de chaque côté qui est espacé de 6 blocs par rapport à votre échafaudage central. Et maintenant, vous allez repartir des 4 blocs qui sont ici et vous allez prendre l'extrémité et décaler de 1 et replacer 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Et vous allez à chaque fois faire comme ça pour allonger un maximum la plateforme. Donc repartez de l'extrémité, décaler de 1 et replacer 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Repartez de l'extrémité, décalez de 1 et replacez 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Etc. Etc. Vous avez donc une structure comme celle-ci. Vous n'avez plus qu'à enlever les blocs temporaires pour avoir une structure comme celle-ci. Maintenant que l'on a une surface pour tuer les monstres et récupérer le loot, il ne nous reste plus bien sûr qu'à récolter celui-ci. Pour ce faire, on va placer des entonnoirs à un des coins de la ferme, comme ici, et juste en bas à 1, 2, 3 blocs. Vous allez venir placer 1, 2, 3 blocs comme ceci, et vous allez enlever les 3 blocs du dessus pour enfin y placer des entonnoirs. 1, 2, 3. Enlevez ensuite les 8 blocs qui sont autour de l'entonnoir, comme ceci. Et aux 4 coins, tout en vous accroupissant, vous allez venir placer des entonnoirs qui sont dirigés vers l'entonnoir central. Donc faites bien attention que la petite tige ici de l'entonnoir doit être bien dirigée vers l'entonnoir central, sinon votre loot sera perdu. Complétez enfin les trous restant avec des entonnoirs, cette fois-ci dirigés vers les entonnoirs qui sont sur le côté, tout en vous accroupissant bien sûr. Et là, vous avez votre système de récupération d'objets. En dessous, je vous conseille de faire une petite plateforme de récupération d'objets. Placez quelques blocs comme ceci, par exemple. Placez-y quelques doubles coffres en fonction de la quantité d'objets que vous avez besoin de stocker. Et sur le côté ici de ce coffre, vous allez venir placer
un petit entonnoir qui pointe en direction du coffre. Placez quelques demi-dalles au sol afin d'éviter que les monstres ne spawnent sur votre plateforme de récolte. Et normalement, tout le loot que vous allez récupérer dans cette ferme à mobs, eh bien, il sera dans ce grand coffre. Dans l'éventualité où vous voudriez automatiquement trier le loot que la ferme à mobs produit, eh bien, c'est possible. Cliquez juste sur le petit lien qui se trouve ici au niveau de ma tête et ça vous mènera vers une de mes vidéos où je vous explique comment faire un trieur automatique d'objets. Cependant, le loot ne va pas arriver tout seul jusqu'aux entonnoirs. Il va falloir l'y amener et pour ça, on va utiliser un système de rails avec des petits minecarts avec des entonnoirs. Placez-vous ici au niveau de la plateforme de récupération d'objets et on va y placer tout d'abord des rails. Je vous expliquerai après comment mettre les rails propulsion. Mettez d'abord 4 rails en partant de là jusque là. Accroupissez-vous bien sûr pour placer des rails sur les entonnoirs. Placez encore 2 rails ici. Revenez sur l'entonnoir sur le côté. Revenez sur l'entonnoir du milieu et replacez 4 rails vers le haut. Puis revenez avec 2 rails sur le côté, repartez avec 4 rails vers le haut, revenez avec 2 rails, repartez avec 4 rails, revenez avec 2 rails, repartez avec 4 rails. Ensuite, vous n'avez plus qu'à recopier ce petit pattern aux 4 coins, ce qui vous donne un pattern comme ceci. Alors le truc, c'est que les minecarts avec entonnoir ne vont pas se déplacer tout seuls sur ces rails, il va falloir y mettre un petit peu de puissance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les rails propulsion ne peuvent pas bien tourner. Donc je mets des rails propulsion sur tous les rails qui vont tout droit, et à côté de ceci, je vais venir placer une petite torche de redstone pour les allumer. Par exemple, ici j'ai une belle ligne droite, je peux venir remplacer les rails par des rails propulsion et venir y placer une petite torche de redstone. Et sur tous les rails qui vont tout droit, je vais simplement faire la même chose, remplacer les rails qui vont tout droit par des rails propulsion et y mettre à côté une torche de redstone pour démarrer les rails. Et normalement, vous avez ceci. Remarquez que chacun des rails propulsion a donc une petite torche de redstone qui est à côté pour le démarrer et tous ces rails propulsion sont bien sûr tous dans des lignes droites. Il reste néanmoins quelques petits blocs qui ne sont pas recouverts de rails ou bien encore de torches de redstone. Il va falloir donc mettre une demi-dalle dessus pour éviter que les mobs ne spawnent sur cette plateforme. Demi-dalle, demi-dalle, demi-dalle. Et en fin de compte, vous avez donc ceci. Je vous conseille ensuite de placer 2 petits minecarts avec des entonnoirs dedans et de les laisser vagabonder dessus. Essayez de les écarter à égale distance l'un de l'autre. Ils vont ensuite récupérer tout le loot qui va se trouver sur cette plateforme et vont venir le récupérer pour les mettre dans les entonnoirs et ensuite dans vos coffres. En voilà un premier. Et quand celui-ci est bien parti, en voilà un deuxième. Et normalement, ces deux-ci ne devraient ne jamais se croiser, ne jamais se freiner, ne jamais s'arrêter et récupérer tout le loot pour ensuite le mettre dans vos entonnoirs. Alors maintenant que nous avons une plateforme pour récupérer le loot, pour tuer les monstres, ainsi que stocker tout le loot, il va falloir bien sûr créer des plateformes pour faire apparaître les monstres. Alors ces plateformes devront être à minimum 24 blocs de distance de vous, parce qu'en fait les monstres eux-mêmes ne spawnent qu'à 24 blocs de distance. Moi pour être sûr, je me mets à environ 30 blocs de l'endroit où je me trouve. Donc partez du centre de là où vous allez AFK, et vous allez venir placer des échafaudages jusqu'à une hauteur de 30 blocs au-dessus de vous. Comme on est en couche 170, vous allez aller jusqu'en couche 200. Vous voici donc maintenant à une hauteur de 200 blocs, et à cette hauteur de 200 blocs, vous allez pouvoir commencer à créer votre plateforme. Alors la première étape est assez simple, vous allez allonger votre plateforme comme ceci, et normalement tout ce qui va dépasser sera automatiquement éjecté. Ce qui nous donne une plateforme comme ceci, sauf qu'elle est un poil trop petite, il va falloir l'agrandir de 1, et pour ce faire, vous allez venir ici en dessous de la construction, vous allez placer de chaque côté ici de votre échafaudage central une trappe, ce qui va vous permettre d'agrandir de 1 de chaque côté votre plateforme comme ceci. Ne vous inquiétez pas, si vous dépassez, vous voyez que l'excédent tombe directement. Ce qui fait que vous avez une plateforme comme celle-ci. Et cette plateforme, elle a la taille idéale, et je vous montre pourquoi. Si j'enlève par exemple le bloc central, et que je remplace le bloc central par un bloc de pierre comme ceci, et que je place un seau d'eau dessus, vous voyez que l'eau s'étale pile poil dessus, et l'eau ne dépasse pas. Et ça va être très important. Pour quelle raison? Eh bien parce que l'eau va être régulièrement retirée et rajoutée, et elle va pousser les monstres qui vont spawner sur la plateforme, et va les pousser juste sur les bords. Donc il faut
vraiment que l'eau arrive juste au bord de votre plateforme de spawn. L'autre avantage des échafaudages, c'est que les monstres qui spawnent dessus, une fois qu'ils sont poussés par l'eau, ils deviennent un peu débiles parce qu'ils considèrent que l'échafaudage est un bloc transparent, et donc ils vont se laisser glisser, se laisser tomber bêtement vers leur mort là en dessous. Alors ici au centre de votre plateforme, vous allez enlever le bloc central qui devrait être normalement un échafaudage, et vous allez placer un distributeur qui pointe vers le haut. Comment on sait qu'il pointe vers le haut? Et bien vous voyez, il y a ce petit rond qui se trouve juste ici. En dessous, vous allez pouvoir enlever 2-3 échafaudages comme ceci, et vous allez pouvoir placer un observateur. L'observateur doit absolument regarder vers le haut. Pour ce faire, vous allez vous accroupir et placer votre observateur de telle façon que, vous voyez, le petit point rouge est dirigé vers le bas. Comment fait-on une autre plateforme comme celle-ci? Eh bien, c'est simple, on s'accroupit, on se met ici au niveau de notre distributeur, on vient placer un échafaudage bien au centre, on vient en placer encore 2 autres dessus pour avoir 1, 2, 3 échafaudages de hauteur. On peut venir se replacer tout là-haut, on vient placer quelques échafaudages sur le côté comme ceci. On vient placer 1, 2, 3 et 4 trappes. On se replace au-dessus et on vient mettre des échafaudages jusqu'au moment où ça déborde. Et vous avez donc une deuxième plateforme comme celle-ci. Comme pour l'autre, enlevez l'échafaudage central, placez-y un distributeur vers le haut, le petit rond vers le haut. Vous pouvez enlever les 2 petits échafaudages qui sont juste là, placez un observateur qui regarde lui aussi vers le haut. Comment on sait qu'il regarde vers le haut? Eh bien, vous voyez, le petit point rouge se trouve vers le bas. Il faut vraiment que le petit point rouge soit dirigé vers le distributeur, c'est très très important. Et vous allez refaire ça jusqu'au moment où vous avez 32 plateformes comme celle-ci. Et voilà, maintenant, vous avez vos 32 fameuses plateformes sur lesquelles vos monstres vont pouvoir spawner et se faire éjecter avant de s'éclater au sol ici sur votre plateforme de récolte. Mais ce n'est pas terminé, il faut maintenant s'attaquer au toit de votre ferme à mob. Comment faire? Eh bien ici, au niveau de votre dernier distributeur, vous venez vous accroupir, vous placez un bloc, 2 blocs. Sur ce bloc, vous venez placer un distributeur toujours dirigé vers le haut, comme ceci. Vous y placez encore et toujours votre observateur, comme ceci. Vers le bas, vous voyez la petite tute rouge est vers le bas, la flèche est vers le bas. Et là, vous allez venir allonger le tout avec une plateforme de 15 de large. Vous allez donc maintenant allonger à partir de votre distributeur une ligne de 15 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ces blocs peuvent être quelconques, ça peut être de la pierre, ça peut être ce que vous voulez, du moment que ce sont des blocs qui sont non transparents, donc pas du verre par exemple. Vous pouvez maintenant remplir cette plateforme. Vous avez donc ceci, complétez le reste avec des blocs. Il nous reste donc maintenant à faire l'horloge de redstone. Au-dessus du centre, ici, juste au-dessus du distributeur, vous allez venir placer un petit répéteur de redstone. Ce répéteur de redstone sera le répéteur de redstone central. Avec ce répéteur de redstone, vous allez en placer 6 autres de chaque côté pour avoir 13 répéteurs de redstone. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus le 7e qui est au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez que tous mes répéteurs de redstone pointent dans la même direction qui est par là-bas. Pour augmenter le délai de notre horloge à redstone, mettez maintenant 1, 2, 3 clics sur chacun de ces répéteurs de redstone afin de le mettre sur le délai le plus grand possible. Faites la même chose de l'autre côté, placez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 répéteurs de redstone, cette fois-ci dans l'autre sens, pointant vers là-bas, et pareil, faites 1, 2, 3 clics sur chacun d'entre eux pour les mettre sous le délai le plus grand possible. À l'une des extrémités, là où un des répéteurs de redstone pointe dans cette direction, vous allez placer un comparateur de redstone, faites bien en sorte que les 2 torches de redstone soient ici vers l'extérieur et le petit point ici vers l'intérieur, cliquez une fois dessus pour que la petite lumière ici s'allume, placez ici une petite poudre de redstone, placez par là-bas 2 autres poudres de redstone. Pour ensuite activer votre ferme à mob, vous n'avez plus qu'à placer ici un petit levier, et quand vous allez tirer sur le levier, ça va activer ici votre horloge de redstone, et lorsque le répéteur qui se trouve sur le distributeur va s'activer, il va déclencher tous les distributeurs qui se trouvent ici au niveau de votre ferme à mob, faisant en sorte que l'eau des distributeurs s'écoule sur les plateformes, repoussant ainsi les monstres jusqu'en dessous, où ils vont venir s'éclater la tronche sur la plateforme
ici de récupération et où ils vont être tués, et ainsi le loot va être récupéré. Testons donc cette horloge redstone. Écoutez bien. Ça va entendu, ça c'était le bruit du distributeur qui s'activait. Donc dès que le répéteur sur lequel se trouve le distributeur s'active, eh bien ça va activer tous les autres distributeurs qui va activer toute la ferme à mob. Ça va entendu. Lorsque vous voulez désactiver la ferme à mob, rien de plus facile, vous tirez sur le levier et la ferme à mob va s'arrêter d'elle-même. Il y a tout de même un souci, c'est que les monstres peuvent spawner sur votre toit de votre ferme à mob. Pour éviter le spawn de mobs sur le toit, il va falloir absolument recouvrir toute l'intégralité du toit avec des dalles. Ces dalles vont empêcher le spawn des monstres, donc vous devez vraiment recouvrir chacun de ces blocs avec une dalle. Le toit de votre ferme à mob est maintenant protégé de tout spawn de monstres, vous avez aussi une horloge à redstone qui est totalement opérationnelle, il ne vous reste maintenant plus qu'à remplir vos distributeurs avec des seaux d'eau. Donc il va falloir aller d'étage en étage au niveau du distributeur, y placer un seau d'eau. Et comme ça pour chaque étage. Le problème étant que, à ce moment-ci du jeu, logiquement, les mobs commenceront déjà à spawner à cause de votre toit. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est soit de d'abord mettre les seaux d'eau et d'ensuite de construire votre toit. Moi, j'aime pas le faire parce que ça a tendance, en fait, à lorsqu'on place ensuite les répéteurs, à déclencher les seaux d'eau un peu trop tôt à mon goût. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement passer en mode peaceful, juste le temps de placer vos seaux d'eau, et ensuite de ça, vous remettez en mode difficile pour avoir le maximum de drop rate au niveau des items. Et si vous avez bien placé des seaux d'eau au niveau de tous vos distributeurs, vous pouvez maintenant déclencher votre ferme à mob. Vous voyez déjà qu'il y a déjà beaucoup de monstres qui spawnent sous les plateformes de spawn, donc ça va déjà donner pas mal de loot. Je déclenche ici le levier, vous allez entendre l'eau qui va se déclencher en cours de route. Si vous avez bien fait votre travail, l'eau va éjecter donc tous les monstres se trouvant sur la plateforme de mob, et là vous voyez la pluie de monstres qui s'éclate la tronche directement sur la plateforme de récolte, et les deux petits wagonnets qui sont ici vont récolter tout ce loot et vont le placer directement dans le coffre qui est ci-dessous. Alors il y a déjà une première vague de mobs qui a été chopée, et vous voyez déjà que le coffre commence déjà à se remplir. En plus, avantage de la ferme, vous voyez que les échafaudages que vous avez perdus en cours de route, eh bien ils ne sont pas perdus, ils ont été simplement déjà récupérés par les petits tramways, donc c'est assez pratique. Et voilà, cette farm est d'une efficacité redoutable parce que les monstres sont tués sur le coup, le loot est récupéré instantanément, comme vous le voyez, et donc vous allez avoir une très très grande production de poudre à canon, c'est principalement pour ça que je m'en sers, d'os et aussi de fil. Le truc, c'est que vous ne récupérez pas d'XP. Si vous le désirez, en commentaire, vous pouvez me demander pour faire un modèle de cette ferme où on peut récupérer l'XP. Le problème, c'est que vous aurez très certainement un petit peu moins de loot et qu'elle sera pas forcément 100% AFK. Il faudra taper un petit peu sur les mobs, alors que là, vous voyez, ils sont tués instantanément, mais c'est une possibilité. J'espère que cette ferme vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, rappelez-vous, hein. Allez, c'était Joe. Salut. Offre un like au YouTubeur. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Oh, oh. Offre un like au YouTubeur. N'oublie pas de t'abonner. Regardez, voilà, c'est lui qui dérange toujours cette ferme, c'est ce poulet.